Bonjour et bienvenue pour l'interview d'Asako, un film très attendu à Cannes d'un réalisateur qui vient pour la première fois à Cannes, Ryusuke Hamaguchi. Bonjour Ryusuke Hamaguchi, merci d'être là. Prenez le micro s'il vous plaît, merci beaucoup d'être là. À vos côtés, le couple magnifique de ce film qu'on a découvert grâce à Asako, Erika Karata. Bonjour Erika. Bonjour. Merci. Et Masahiro Higashide. Bonjour à tous les deux, Masahiro, qu'on avait vu notamment dans les films de Kiyoshi Kurosawa également. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de ce film, Ryusuke Hamaguchi? C'était cette histoire d'amour particulière, avec une autre histoire d'amour un peu fantôme, un peu menaçante. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous? なぜこの少し変わったラブストーリーを描こうと思ったんでしょうか。2つラブストーリーがあると思うんですけれども、1つのラブストーリーともう1つ少し幽霊的な要素を持ったラブストーリーがあると思うんですが、なぜでしょうか。この物語を映画化しようと思ったのは、もともと柴崎智香さんという小説家の作品をたくさん読んでいて、特にこの寝ても覚めてもという映画は自分の思考にも合う、自分としてもぜひ映画化したいような内容を含んでいるということをまず思いました。En fait, j'ai lu plusieurs romans de Tomoka Shibasaki, une écrivaine japonaise. Et en fait, c'est celui-là qui m'a plu particulièrement et qui m'a donné envie de l'adapter au cinéma. Alors pourquoi celui-là ? なぜこちらだ、こちらの作品だったんでしょうか？それは本当に今おっしゃったようなある種の二重性というんでしょうか。全く同じ顔をした2人の男に恋をする。で、その2人の間で揺れるというよりはもう激しく移動する女性っていうものが描かれていて、その女性の選択や移動っていうものを小説そのものの魂と僕は捉えていて、それは描きたいものとしてありました。Donc en fait, ce qui m'a donné envie de l'adapter au cinéma, c'est la dualité qui existe dans le film. Donc il y a deux hommes qui ont le même visage, qui apparaissent donc devant Asako, le personnage principal. Donc Asako passe de l'un à l'autre. En fait, c'est ce changement, ce choix qui existait déjà dans le roman. Je pense que c'était vraiment l'esprit même, l'essence même du roman. Et c'est ce qui m'a donné envie de l'adapter au cinéma. Erika, c'est vous qui incarnez Asako à l'écran. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans le travail de Ryusuke Hamaguchi? カラタさんは朝子役を演じていらっしゃいますけれども、今回浜口監督とお仕事をされて、何が一番興味深かったでしょうか？そうですね。何が興味深かった？私…C'est une question difficile. 映画の出演とか演技経験がそんなにないので、どれもすごく新鮮で刺激的だったんですけど、そうですね、現場に入る前に本読みという時間があって、そこで感情を入れずにセリフをただ読むっていう時間をあったんですけど、その時間が印象的だったって言えば印象的だったというか、こういう演出の仕方というか、こういうことがあるんだっていうのを初めて知ったので、それですね。Donc en fait, j'ai très peu d'expérience en tant qu'actrice, et en fait, tout m'était nouveau. Mais ce qui m'a marqué, c'est le moment de lecture, le travail de lecture avant le tournage. En fait, on lit le scénario sans mettre d'émotion, et j'ai découvert vraiment cette façon de diriger les acteurs, et c'est ce qui m'a marqué. Ah oui, comment vous travaillez Ryusuke Hamaguchi? C'est-à-dire, comment vous dirigez vos acteurs? Hamaguchi-kantoku wa dono you ni haiyuu-san wo engi shidou sareru desu ka? Sono genba de gutaiteki na shiji wo dasu toukoto wa hotondo nakatta to omoimasu. Sono honyomi wo tsujite kurikaeshi, kibontoki ni wa mazu nuance no mattaku nai joutai de serifu wo irete itadaite, de ato wa hontou ni dekiru kagiri, sono kochira no kamera gawa no tsugou to iu mono ga, できる限り少なくして役者さんに動いてもらうっていうことです。で、その現場において発生した感情というものは全く否定せず、そのニュアンスをそこで排除する必要はなく、そこでそのまま演技をしてほしいということを言っていました。
Donc, en fait, je donne très peu d'indications sur le tournage. Par contre, lors de la lecture, en fait, je demande aux acteurs de lire le scénario sans trop d'émotion, sans nuance. Et ensuite, bien sûr, il y a aussi le mouvement de caméra, mais moi, je laisse les acteurs libres. Et ensuite, s'il y a le sentiment ou la nuance qui apparaissent sur le tournage, bien sûr, je les garde. On a l'impression, en voyant ce film, que vous, Erika, ou comme vous, Masahiro, vous vivez vos personnages. Mais vous, Masahiro, ça a dû être compliqué parce que vous incarnez deux personnages, deux amoureux très différents. Comment vous vous êtes préparé à ce travail? Comment vous avez créé ces deux amoureux différents de Asako et donc d'Erika? でこの作品を見ますと2人とも俳優さんはあの演技をしているのではなくてこの人物を本当に生きているっていう印象を受けたんですけれども特にあの、東出さんは難しかったんじゃないかと思うのは、まあ、1人2役を演じていらして本当に全く違った役を演じていますがあの苦労した点とかどのようにご準備されたんでしょうか。監督の前作がハッピーアワーという映画でそれは1年かけてその演技のメソッドワークショップをやりながら、全くの素人の方たちに出演していただいてで4人の女性が主人公だったんですけれども皆さんがそのロカルノ国際映画祭っていう映画祭で最優秀主演女優賞を取られてたんです。その作品は日本で公開された時にとてもセンセーショナルでしたしやっぱり浜口組に入るならば浜口さんのメソッドに乗っ取った方がいいなと判断したのでその1ヶ月の撮影期間っていうとやっぱりどうしても少ないのでもともとプロの役者でやってる人たちは自分なりのメソッドだったり用意してきたもので勝負をしようと思うんですけれども今回のもともと演技経験がある役者は1回自分の得意とするものを全部忘れて素人になったつもりでスタートしました。でその浜口メソッドがあったので一人二役っていうのは現場で大して負担にはならなかったです。Donc en fait, j'avais vu le film précédent de Monsieur Hamaguchi qui s'appelle Senseis en France. Senseis, bien sûr, qui est en salle d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc en fait, pour ce film-là, Monsieur Hamaguchi a travaillé avec des acteurs non professionnels pendant un an sous forme d'atelier. Donc en fait, ce sont des personnages principaux qui ont été joués par quatre actrices non professionnelles qui ont reçu le prix de la meilleure interprétation féminine au Festival de Locarno. Oui. Et donc, en fait, la sortie du film a été accueillie comme un événement au Japon. Ouais. Et donc, moi, j'étais au courant de cela. Et du coup, moi, je voulais utiliser sa propre méthode. En tant qu'acteur professionnel, on a tendance à utiliser notre propre expérience. Ouais. Mais moi, j'ai essayé de l'oublier afin d'adopter la méthode de M. Hamaguchi. Mmh. Donc ça n'a pas été très difficile de jouer ces deux personnages complètement différents. Mmh. Oui, effectivement, et c'est ce qui est intéressant, c'est cet effet de réalité. Erika, vous sentiez la différence entre les deux personnes que jouent et les deux amoureux que joue Masahiro? Il y en a un qui s'appelle Baku, je crois, et l'autre Ryoshi ou quelque chose. Yohei. Voilà, c'est ça. Vous sentiez la différence en jouant, Erika ? カルタさんは、ご一緒に演じてらして、2つの役がすごく違いは感じましたか？ああ、そうですね。バクといる時の不安とか、良平といる時の感情が、なんか自然と全然違っていて、良平といる時は本当に安心感でしたんですけど、そうですね、それは本当になんか東出さんのおかげでそうなれたので、本当に嘘なく感情のまま私も入れたなって思います。En fait, oui, je ressentais, enfin, des choses complètement différentes, mais de façon très naturelle. Par exemple, quand j'étais avec le personnage de Baku, je ressentais plutôt d'angoisse, et avec le personnage de Ryohei, plus de rassurance. Bien sûr, je me sentais rassurée. Et je pense que c'est grâce au jeu de M. Higashide que je ressentais aussi des choses différentes.
Comment justement, vous faites beaucoup de prises, comment vous obtenez cet effet de réalité, cette finesse de jeu de la part de vos comédiens, comment vous les dirigez sur le tournage, vous faites beaucoup de prises avec eux, vous tournez beaucoup parce que vous tournez avec peu de moyens normalement, Ryosuke Hamaguchi, comment vous faites ? すごく俳優さんがこう現実味を帯びた演技をされていると思うんですけれども撮影の時はすごくテイクは多いんでしょうかなぜこういう現実性を持たせることができるのか教えてほしいです、はい、テイクは一貫性はありませんその1テイクとか2テイク3テイクで終わってしまうこともあるしただその1テイク2テイク3テイク目であるところまで達さなかったと思えばやっぱりどんどん伸びていく8テイク目とか10テイク目とかになっていくっていうことはありましたそこに一貫性はないと思いますそのただまあ準備の度合いによってやはり準備が十分にできていたときは1テイク2テイク3テイクで終わるということはまあ多くあったと思いますでDonc en fait, tout dépendait de scène. Parfois, on faisait juste une, trois prises. Ah oui. Mais d'autres fois, on en faisait 8 ou 10. En fait, tout dépendait de la préparation. Et, 私はですね、まあ、役者さんの人生っていうものを、まあ、そもそも、まあ、役者さんをキャスティングするっていうことはその人の人生そのものを、まあ、キャスティングするというようなことだというふうに思っています。で、まあ、そこに、まあ、まずそこに全幅の信頼があると。で一方で、まあ、今回田中幸子さんという方と共同脚本なんですけれどもまあ、脚本というものテキストというものにも、まあ、私はものすごく信頼を置いていますでそのテキストと、まあ、役者の人生が詰まった体っていうものが、うんまあ、相互作用を起こすはずだっていう、まあ、確信が、まあ、現場ではあるのでそれに狙いを定めるというか少しそれは欠けではあるんですけれどもきっと、まあ、この2つが出会うことによって何かが起こるはずだということでそれを待っているという感じです。Donc, lorsque je fais le casting, moi j'ai l'impression de choisir la vie entière des acteurs. Donc, je leur fais confiance totalement. Et en fait, j'ai écrit le scénario avec Sachiko Tanaka. Mmh. Donc, j'avais en fait, je m'attendais à ce que quelque chose se passe entre les deux. Mmh. Bien sûr, entre le corps d'acteur et aussi derrière tout ce qu'ils ont vécu. Et puis le texte. En fait, il y a quelque chose qui se passe pendant le tournage. Ils ont le droit d'improviser. どうだったですかね。台本にない動きでも、例えば上からシーツが落ちてきて、でこの中でキスをするとか、その、まあ、物語の中でちょっとのアクセントになるようなことは全然アドリブ OK でしたし。あと日常の中でクッシーとの会話とか日常の中でその要所要所の、まあ、後ろで喋ってる会話とかはほとんどアドリブです。Donc oui, on nous a, enfin, ça, c'était permis de jouer à l'improviste, de faire de l'improvisation. Pardon. Oui. Par exemple, il y a un moment où il y a un drap qui tombe sur nous oui. et on s'embrasse. Oui, ça a été improvisé. Il y a aussi la conversation entre des personnages à l'arrière-plan. Uh-huh. C'était complètement improvisé. Ah d'accord, très bien, bravo, hein, bravo à vous, bravo Ryosuke Hamaguchi, bravo et ravi de faire votre connaissance Erika Karata et Masa Hiro Higashide. C'est donc Asako 1 et 2 en compétition officielle à Cannes, on va bien sûr continuer à en parler en conférence de presse.